J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Soir la Saint-Georges, je faisais la kermesse. Ma femme attendait, planquée dans la Mercedes. Je l'ai payée jamais. Toutes mes histoires se réglaient dans l'heure. On pardonnait tous mes écarts quand j'étais chanteur. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. J'ai appris que Mick Jagger est mort dernièrement. Pour moi, il y a longtemps que c'est fini. Je comprends plus grand chose aujourd'hui. Mais j'entends quand même des choses que j'aime, et ça distrait ma vie. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Plus particulièrement, je salue Patrick, quelque part en France, il me le dira sans doute, qui m'a demandé ce tuto. Quand j'étais chanteur, Michel Delpech, une chanson que j'ai écoutée de nombreuses fois quand j'étais plus jeune, et jusqu'à présent, je ne m'étais pas posé la question de ce tuto. Elle s'adresse pas du tout à des débutants, et je dirais même qu'elle s'adresse plutôt à des gens avancés, pas tellement à cause de la guitare ni du chant, mais surtout des deux ensemble. Voilà, j'ai décidé de vous faire ce tuto d'une manière différente, c'est-à-dire que habituellement je différencie guitare et chant, mais là comme je m'adresse à vous, des gens qui avaient déjà bien de la pratique, eh bien je vais vous faire le chant en même temps que la guitare, mais très 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 doucement pour que vous puissiez bosser en même temps que moi. Voilà, vous serez toujours à même d'accélérer par la suite. On se retrouve tout de suite quand j'étais chanteur, Michel Delpech. Comme je vous l'ai expliqué, exceptionnellement, on va faire le chant en même temps que la guitare en allant tout doucement. Comme ça, vous pourrez après, quand vous aurez bien maîtrisé l'ensemble, accélérer à la vitesse d'origine. On va faire une petite intro en faisant une petite alternance de basse hein, entre le mi et le la, et pour se rapprocher un peu de la réalité, même si c'est pas tout à fait juste dans ce cas-là. 3, 4, voilà pour la vitesse. Hein, ça fait très très lent, hein, mais bon. Comme elle n'est pas si facile que ça. Et on va attaquer. Sur la basse. J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Je fais de la chaise longue. J'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. Deuxième partie, j'avais des bouts blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. C'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais comme une bête
quand j'étais chanteur. Un soir à Saint-Georges, je faisais la kermesse. Ma femme attendait, planquée dans la Mercedes. Elle s'est fait jeter dans l'Indre par tout mon fan club. J'avais une vie de dingue quand j'étais chanteur. Les gens de la police me reconnaissaient. Les excès de vitesse, je les payais jamais. Toutes mes histoires s'arranger dans l'heure. On me pardonnait tous mes écarts quand j'étais chanteur. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. J'ai appris que Mick Jagger est mort dernièrement. J'ai fêté les adieux. Et là, je vais m'arrêter quand même juste pour cet accord pour que vous puissiez bien le détailler. Il s'affiche en même temps. T'es les adieux de Sylvie Vartan. Pour moi, il y a longtemps que c'est fini. Je comprends plus grand chose aujourd'hui, mais j'entends quand même des choses que j'aime et ça distrait ma vie. On recommence. Pour moi, il y a longtemps que c'est fini. Je comprends plus grand chose aujourd'hui, mais j'entends quand même des choses que j'aime. Et là, on va en lieu et place du la dièse, allez au ré dièse, et ça distrait ma vie. On finit sur le la dièse. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, évidemment, si vous avez apprécié, de faire des commentaires, de vous abonner, parce que c'est grâce à ces trois choses-là que mes vidéos sont proposées de plus en plus par YouTube, et par conséquent, c'est grâce à ça que je me fais connaître. Merci à tous d'être là pour moi, et à très bientôt pour un nouveau tuto.